Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, deux recettes spéciales lundi vert, lundi sans viande ni poisson. On va cuisiner à l'extracteur un jus vert avec pas mal de bons légumes et puis au multicuiseur une soupe aux choux. Pour mon cocktail vert, j'ai choisi du céleri branche qui est reminéralisant, du panais qui est alcalin, donc qui va éviter l'acidification du corps, du radis noir qui est drainant, du persil qui est antioxydant, et puis orange, clémentine, citron, gingembre, curcuma, qui sont très très bons eux aussi pour la santé. Et pour la soupe, un demi-chou, 4 pommes de terre, un oignon, un navet violet, un panais encore, et puis 2 carottes ainsi qu'un poireau. Parce que moi j'aime passer peu de temps en cuisine et être efficace. Donc pendant que je vais faire bouillir mes légumes, je vais juste recouvrir d'eau bouillante mes choux, carottes, poireaux, pommes de terre, etc. Je vais les recouvrir et les fermer au multicuiseur. Et bien je vais pouvoir préparer à l'extracteur mon jus de légumes avec donc céleri, panais, radis noir, orange sanguine, gingembre, curcuma, persil et clémentine. Ça y est, ça boue. Alors je vais mettre le multicuiseur en fonction bouillir. Hop là, verser cette eau. Il y aura juste à recouvrir, ce sera très très simple. Bon, j'ai remis un petit peu d'eau dans ma soupe, à peu près 2 litres d'eau bouillante. Et je ferme. C'est parti pour environ 20 minutes. Je passe ensuite à la réalisation du jus à l'extracteur. Alors j'alterne les parties dures des légumes avec les parties fibreuses, comme ici le céleri branche, qui va vraiment apporter du liquide et puis plein de micronutriments dans ce cocktail. À la fin, je vais ajouter un petit peu d'huile de lin pour que le curcuma qui est présent dans le jus s'assimile bien, ainsi qu'un petit peu de poivre. Et puis voilà, le tour joué en quelques minutes. Alors voici le petit jus vert. Quelle couleur magique! Au bout de 20 minutes environ, les légumes sont cuits. On va pouvoir faire entrer en action le mixeur plongeant. Et voilà le travail, presque 2,5 litres de soupe en 1 minute. Vraiment, c'est du bonheur. Au total, donc préparation plus cuisson, environ 30 minutes. Et je sais que je vais pouvoir manger plusieurs jours cette soupe délicieuse d'hiver avec des produits locaux. On termine par les photos de ces recettes. Très simple à réaliser comme vous l'avez vu. Je vous souhaite un bon appétit, de bonnes énergies pour cuisiner et à très bientôt sur Equiliforce. Bonjour. Pensez à vous abonner.